trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse sans sabots. Si les fleurs le long des routes se mettaient à marcher, c'est à la Margot sans doute qu'elle ferait songer. Je lui ai dit de la Madone, tu es le portrait. Le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine. Des choses qui sont communes à tous les humains de cette terre, en fait, hein. L'amitié, l'amour, la tendresse, la religion, etc. Et ce sont des thèmes universels. Et comme il avait une orchestration relativement homogène également, eh bien, on n'est jamais dépaysé quand on... Enfin, on n'est jamais décontenancé quand on écoute Brassens. On est toujours dans son univers, quoi qu'il arrive. Toutes les femmes qui l'ont connu, que ce soit qui l'ont rencontré, que ce soit, je sais pas moi, des Sylvie Vartan, des Jane Birkin, même Sophia Loren, par exemple, tout le monde disait que c'était un homme vraiment charmant. Et la charité seule pousse ma main résignée, nerf ce cul, rabat-joie, tonique renfondée, elle m'emmène de vous dire. Il y a d'autres sans doute depuis son